Nous voilà donc partis pour le Kenya. Dans le groupe, il y a une fille super jolie, avec un vieux bonhomme qui doit être son mari. Je me dis qu'il a de la chance, et c'est là que l'histoire commence. Il y a de l'amour dans l'air quand on voyage en charter. Nous allons survoler le Sahara. Je me lève pour aller aux toilettes. Elle me sourit et manifestement, elle me montre qu'elle s'ennuie. Je me dis, c'est bien les vacances, et c'est là que l'histoire commence. Il y a de l'amour dans l'air quand on voyage en charter. J'étais à peine dans mon bungalow. Elle arrive, on discute un moment, quand elle me dit, mon mari va partir pour 3 jours en safari. Je lui dis, c'est la providence, et c'est là que l'histoire commence. Il y a de l'amour dans l'air quand on voyage en charter. On ne s'est plus quitté pendant 3 jours. C'était bien, tellement bien, qu'à la fin, dans la foulée, on a plaqué le vieux et le club et les palmiers. Nous voilà de retour en France, et c'est là que l'histoire commence. Il y a de l'amour dans l'air quand on voyage en charter. On était à Orly dans le grand hall. Tout ému, sa sœur nous attendait près du contrôle. Elle était très jolie, elle n'avait pas de mari. Tout le reste est sans importance, car c'est là que l'histoire commence. Il y a de l'amour dans l'air quand on voyage en charter.